partez d'une petite unité fondamentale, et par étalement, accumulation ou empilement, formez une grande unité architecturale. C'est la recherche de Kengo Kuma, qui puise dans la tradition japonaise les formes, les techniques et les matériaux de son architecture. Pour ce petit musée dans la ville de Kasugai, l'architecte trouve son inspiration dans le chidori, un jouet traditionnel japonais. C'est un système d'assemblage de baguettes de bois sans clou ni colle, et qui peut être prolongé à l'envi. Pour que ce système puisse être agrandi à l'échelle d'un bâtiment de 10 mètres de haut, les sections de bois font 6 cm de côté et la grille 50 cm d'anthrax. Kengo obtient ainsi une grille cubique autoportante qui soutient la toiture et absorbe une structure en béton plus classique. Les contours intérieurs et extérieurs du bâtiment disparaissent, le rapport intérieur-extérieur tout autant. La grille semble s'étendre et proliférer dans les trois dimensions de l'espace, filtrant la lumière et le regard.